Tous les pays européens étaient secoués après la libération par des troubles sociaux. Les grèves paralysèrent entre autres la France. Le ministre français des Finances de cette époque, un certain Robert Schuman, né à Luxembourg mais d'origine lorraine, parvenait à rétablir provisoirement l'économie française tout en se rendant compte qu'il fallait trouver une solution d'ensemble. Robert Schuman, homme des frontières, de culture franco-allemande, une fois devenu ministre des Affaires étrangères, a cherché la solution d'ensemble au niveau européen. Il a noué des liens d'amitié avec Winston Churchill, qui avait lancé à Zurich l'idée de la création des États-Unis d'Europe, avec Paul-Henri Spaak et d'autres responsables de la politique européenne. Un premier pas est fait par un congrès européen qui se réunit à La Haye en 1948. Il adopte les premières résolutions pour une Europe unie et les soumet au gouvernement. Robert Schuman prend une part active dans le mouvement européen qui se développe tant parmi les hommes d'État que parmi les citoyens, jeunes ou vieux. La France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Au Quai d'Orsay, Robert Schuman prépare les bases de son œuvre européenne. Jean Monnet, une personnalité éminente du monde économique, lui soumet un jour un plan pour réunir en un pool les ressources françaises et allemandes en acier et en charbon. Schuman y croit. Il s'engage à réaliser le plan. Il en parle au président de la République allemande, Heuss, et surtout à Konrad Adenauer, qui y voit une chance pour l'Allemagne nouvelle de lier définitivement son sort à l'Occident. Robert Schuman parvient non seulement à convaincre l'Allemagne, mais aussi l'Italie et le Benelux. Les ministres des Affaires étrangères de ces six pays se donnent rendez-vous au Quai d'Orsay le 18 avril 1951 pour y signer le traité de Paris, instituant la première des trois communautés européennes, celle du charbon et de l'acier. Matières premières qui furent à la base des guerres fratricides que l'Europe des patries a connues depuis plus d'un siècle. Dans le préambule de ce traité, il est dit que l'Europe ne se construira que par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. En y mettant leur signature, Konrad Adenauer, Paul van Zeeland, à cette époque ministre des Affaires étrangères de Belgique, Bech, premier ministre du Grand-Duché de Luxembourg, Carlo Sforza pour l'Italie, Dirk Stoecker pour les Pays-Bas et Robert Schuman pour la France, se sont solennellement engagés à jeter des bases d'institutions capables d'orienter un destin désormais partagé. Grâce à l'aide Marshall, l'Europe a pu se relever du chaos créé par la guerre. Grâce à la Communauté européenne du charbon et de l'acier, communément appelée CECA, l'Europe, libérée des entraves douanières, prend résolument la voie du développement économique. L'essor de l'Europe nouvelle impressionne les Anglais, qui s'était tenu à l'écart et rendra bientôt possible le franchissement d'une nouvelle étape vers l'unification européenne. Robert Schuman, qui est aussi timide que tenace, préférant les réalisations concrètes et l'argumentation au faste, est néanmoins triomphalement reçu à Metz comme à Tilburg, à Anvers comme à Aix-la-Chapelle, où il reçoit des mains du maire de la ville le prix Charlemagne, qui est réservé aux pionniers de l'unification européenne tels Churchill, Spaak et Hallstein. Le 19 mars 1958, Robert Schuman, convaincu que seule la véritable démocratie pourrait un jour définitivement réaliser la création des États-Unis d'Europe, est élu président du Parlement européen. Dès le premier jour, il s'est établi parmi les parlementaires un état d'esprit nouveau qui envisage les problèmes sous l'optique spécifiquement européenne, éloigné des conceptions étroitement nationales. Ce qui importe, c'est la formation d'une conscience européenne au service du bien commun. Je suis heureux, à l'occasion de ce premier anniversaire, d'avoir pu rappeler sommairement la création, l'organisation, les tâches de l'Assemblée parlementaire européenne. Il lui appartient d'être le guide,
le porte-parole de l'opinion publique. Ainsi, son rôle dans la construction d'une Europe unie demeure primordial. Il est appelé à se développer rapidement. Le 4 septembre 1963, Robert Schuman, ce grand solitaire, meurt dans sa propriété de Sichazel, dans l'indifférence presque totale. Sa mort réveille un instant les consciences. La radio néerlandaise interrompt ses programmes. Les drapeaux sont en berne, à Bonn, Strasbourg, Luxembourg et Bruxelles. La presse internationale reconnaît son mérite. Le Figaro l'appelle le père de l'Europe, nom que l'histoire lui laissera probablement. The Times parle du champion de l'Europe unie. Le Corriere della Sera l'appelle prince de l'Europe. Paul-Henri Spaak dit de lui que sous son impulsion, la France a joué un rôle de tout premier plan dans la construction de l'Europe. Jean Monnet témoigne que Robert Schuman avait vu depuis longtemps que la recherche de la suprématie nationale faisait le malheur de l'Europe, et le président Kennedy déclarait que Schuman combinait l'imagination au réalisme. La reconnaissance publique des mérites du grand homme d'État français apparaît lentement. Plusieurs pays l'honorent en donnant son nom à des rues, des places, des boulevards. L'année dernière, Luxembourg, sa ville natale, a inauguré un pont à la mémoire du père de l'Europe. Le premier ministre luxembourgeois, Werner, a rappelé devant la famille grand-ducale et le peuple luxembourgeois ce que l'Europe doit à Robert Schuman. Ce pont conduit au nouvel immeuble du Kirchberg où seront centralisés les services de la communauté européenne à Luxembourg. Le 3 octobre 1965, 2 ans après la mort de Robert Schuman, les amis de l'ancien ministre des Affaires étrangères sont réunis à Sichazel, près de Metz. Parmi les présents, Messieurs Bech, ancien premier ministre luxembourgeois et signataire des traités européens, Jean Monnet et Pierre Pflimlin, maire de Strasbourg et président du Conseil de l'Europe. Jean Monnet dévoile la plaque commémorative apposée sur la maison de Schuman, plaque qui porte l'inscription « Dans le calme de cette demeure lorraine, Robert Schuman a jeté les bases de l'Europe unie, gage de prospérité et de paix dans le monde. » Jean Monnet et Pierre Pflimlin font l'éloge de l'homme à qui l'Europe doit le plus, comme l'ont écrit les journaux. Cette modeste manifestation est la première d'une série ininterrompue de commémorations dans les 6 pays de la communauté européenne qui est devenue une réalité incontestable, un pôle magnétique auquel quantité de nations veulent adhérer ou s'associer, y compris l'Angleterre, pourtant si réservée lors de la création des communautés européennes. La Belgique et la ville de Bruxelles, siège de la CEE et de l'Euratom, se sont souvenus des mérites de Robert Schuman. On lui a consacré un monument qui se trouve provisoirement dans le parc du Cinquantenaire, en attendant que les grands travaux au rond-point de la rue de la Loi, devenu rond-point Schuman, soient terminés. Monsieur Rey, ancien ministre belge, membre de la commission du marché commun, chargé des relations extérieures de la communauté européenne et président d'honneur de l'association belge des amis de Schuman, a exprimé la reconnaissance de la Belgique à l'égard du père de l'Europe. Le gouvernement belge, les diplomates accrédités auprès de la communauté et les hauts fonctionnaires européens ont défilé avec la jeunesse belge devant la stèle Schuman.
Sichazel, le village de Robert Schumann, situé sur une des collines le long de la Moselle près de Metz, deviendra un lieu de pèlerinage pour la jeunesse européenne. Grâce à l'initiative de l'Association internationale des amis de Robert Schumann, la maison du Père de l'Europe sera bientôt un musée consacré à l'histoire de l'unification européenne. Et l'on construira avec l'argent recueilli par la vente des vignettes Schumann et d'autres initiatives de l'association un centre européen de rencontres et de dialogue où des jeunes Européens et Africains des pays associés pourront se souvenir de ces paroles de Robert Schumann. L'Europe est un problème de génération. Ce qui est préparé par les aînés n'est valable que si les générations nouvelles y apportent leur enthousiasme. Dans Pour l'Europe, l'unique livre que Robert Schumann nous a laissé et qui est à considérer comme son testament politique, il a écrit ces paroles qui ne peuvent rester sans écho. L'Europe se cherche. Elle sait qu'elle a entre ses mains son propre avenir. Jamais elle n'a été si près du but. Dieu fasse qu'elle ne laisse pas passer l'heure de son destin, l'unique chance de son salut.